Kenneth a vraiment un talent incroyable. On est gâtés. Je ne crois pas te connaître, mon ami. Serais-tu nouveau ici? Comment t'appelles-tu? Clive. Enchanté, Clive. Moi, c'est Harpocrate Hyperboréoï, deuxième du nom. Harp... Pardon? Harpocrate Hyperboréoï 2. Ne t'en fais pas, je sais que c'est dur à dire et encore plus à retenir. Si ça peut te rassurer, ici, presque tout le monde m'appelle le prof. Je suis un passionné de Valisthea. Je m'intéresse aussi bien à ses us et coutumes qu'à son histoire. Je collectionne toutes sortes d'ouvrages et je consigne par écrit tous les renseignements que je peux glaner. Hélas, il n'y a pas beaucoup d'informations nouvelles que je puisse obtenir en restant ici. Je te serais donc extrêmement reconnaissant si tu pouvais me raconter ce que tu vois hors de nos murs, entre deux missions, quand tu trouveras le temps, évidemment. Je vais également faire en sorte que tu puisses consulter mon encyclopédie à tout moment. N'hésite pas à y jeter un œil. Je crois que nous avons de nouvelles informations. J'ai compilé de nouvelles entrées. J'espère qu'elles t'intéresseront. Ces nouvelles informations concernent des sujets tout à fait uniques. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Reviens quand tu voudras, Clive. J'aurais jamais cru que la bouse puisse être si utile. Salut, Clive. Tu t'es familiarisé avec le coin? J'ai déjà connu des endroits bien pires. Ravi de l'entendre.
J'avais dans l'idée que tu serais partant pour me redonner un coup de main. Ton travail sera récompensé, bien sûr. Et j'y compte bien. On dirait que ça marche comme ça, ici. Ben dis donc, je vois que tu n'as plus trop ta langue dans ta poche. Alors, voilà ce qu'il faut faire. J'ai à nouveau besoin de quelqu'un qui pourrait apporter de quoi se nourrir à nos chers résidents. Tu voudrais bien apporter 3 repas à 3 de nos camarades ? Avec plaisir. Formidable. Les 3 personnes que tu dois chercher sont toutes assaférées à leur tâche dans le repère. Tu en trouveras une à l'entrée, une autre dans la salle de repos, et la dernière garde le cachot. Je te remercie encore, Clive. Vite que je finisse de clouer ces planches, ou bien je le fais. Ah, j'aimerais tant qu'il y ait un moyen d'avoir un peu plus de... Je peux t'aider ? J'apporte à manger. Oh, à point nommé. Hé, hey, t'entends ça? Notre repas est arrivé. Ton appétit te fait toujours défaut? Il est malade? En convalescence. Ceux qui n'ont plus besoin de soigneurs sont envoyés ici pour se remettre doucement de leur maladie. Mon rôle est de m'occuper de ceux qui sont dépendants. Cela monopolise beaucoup de mon temps. Heureusement qu'Enes veille à ce que je mange bien. Je serais débordé sans la gentillesse de personnes aimables comme toi et lui. Merci. Allez, il faut manger. Déjà de retour ? Ta cellule t'avait manqué ou quoi ? Kenneth m'envoie. Il s'est dit que tu devais avoir faim. Il a pas tort. J'avais l'estomac dans les talons. Merci d'être venu me ravitailler. Tu dois pas beaucoup t'amuser tout seul ici. Ben non. Mais c'est une tâche plus qu'importante pour garantir la tranquillité du repère. Laisser ces gars-là sans surveillance, ce serait risqué pour les habitants. Fais tout ton possible pour rester du bon côté des barreaux. On est d'accord ? Ça sent bon par ici. Serait-ce pour moi ? Tout à fait. De la part de Kenneth. Ah, merci. Mes chers oiseaux, ne me lâchent pas. Je n'ai pas le temps d'aller déguster un repas à la cuisine du gros chocobo. Ah. Ce n'est pas de tout repos. Ah, j'ai jamais un moment pour souffler. C'est peut-être aussi bien que je mange ici. Comme mes vêtements sentent l'écurie, je couperai l'appétit aux gens. Et prendre un bain ou se faire belle est une perte de temps quand on a la chance de pouvoir profiter de ses amours, non ? En tout cas, merci pour le repas. Et passe bien le bonjour à Kenneth. Je pense que le compte est bon. Je retourne voir Kenneth. Nous devrions créer de nouvelles escouades. Ah, tu es de retour. C'est fini ? Bien joué. Voilà, ta récompense, comme promis. Tout le monde a son rôle à jouer. L'entraide vous permet de survivre.
Et nous en sommes très fiers, crois-moi. Je vois que tu commences à nous comprendre. Tu as aussi ta place ici, bien sûr, comme tu viens de nous le montrer. Tu es désormais un membre à part entière de notre communauté. Ça me fait plaisir, mais... C'est la vérité. Tout le monde ici t'a déjà accepté. Je suis impatient de voir de quelle manière tu vas pouvoir nous aider.